Salut YouTube, nous voici sur une nouvelle vidéo de Code Vein. On venait d'arriver dans une sorte de hub, je vous mets sur l'écran et on va un peu visiter, voir ce qu'ils nous proposent, peut-être qu'on pourra améliorer des armes, en acheter ou des choses comme ça. Ok. Elle a fait quoi? Nice to meet you. If Louis brought you here, there must be some reason, right? I'm Rin Murasame. I provide the back home support for all the explorers here. It's a pleasure. I've got my own reasons for why I can't go into combat with you, but I'll provide your weaponry and maintain it for you. Voilà. Anyway, relax and make yourself at home. C'est exactement ce qu'il me fallait. I'm really sorry. Right now I'm in the middle. I should be able to upgrade your weaponry once. Come and talk to me. D'accord, faut parler avec Louis. C'est qui Louis? C'est lui? There you are. The revenant that Louis sees so much potential in. I'm Davis. I go around for the provisional government as part of the investigation into the depths. Just as a warning, try not to stir up any trouble. Ok. Oula. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Ah j'avais pris une arme. Ah c'est pour s'entraîner. D'accord. Je comprends. Ça doit être pour l'apparence. Ouais c'est ça. You're an unfamiliar face. Has Louis stuck his head into another pot of trouble? Well, anyway, I'm Coco, a merchant by trade. Stop by if you need anything. Okay. Elle, on la connaît. Donc c'est lui. You're looking a bit tired. We can talk again later. Your friend is probably lonely in a place like this. I'll have to say hello to her sometime. It's warm here, isn't it? Everyone wants to know more about me, but I don't know the answer to any of their questions. All I can remember is that my name is Io, and that my place is by your side. My name, I have no idea what it means. I was wounded while I was searching for you. I am not a very capable fighter. I'm not sure. It was simply decided. One does what must be done. And for me, that is my mission. To stay at your side. Parler à Louis pour obtenir des informations. The ability to draw strength from experiencing memories, and the power to revitalize blood springs, both unprecedented. Sorry, but could I get a sample of your blood? We might understand more if we analyzed it. It won't be much, just a small vial, so you won't need to worry about bloodthirst. It'll take a while to get the results. Take it easy in the room back there while you wait. Yeah. Alors, oh ça va, tranquille, ils nous ont mis dans une belle petite chambre et tout. On peut aller voir au tard. Il y a quoi ici? Pas grand chose, à part beaucoup de rations. En hauteur, il n'y a rien. Ok. Ah, c'est la remise, quoi. Ça devrait être bon, non? Lui, je l'ai pas parlé. All revenants carry some secret with them. Don't do anything funny. I'll be keeping an eye on you until this talk. I'll take care of all your weapon-related needs. So relax and make yourself at home. I'm really sorry. Ok. I've done what I can to look into your talents, and I've confirmed something surprising. Revenants have blood types that differ from those of humans. These types greatly affect a revenant's abilities.
However, your blood has no specific type. Or maybe more accurately, your type is broken. Your abilities, and the fact that you have no specific type, might be due to your being what we call a void type. You were able to gain another Revenant's power through a vestige, right? That phenomenon is unique to void types. Okay. Supposing you are a void type, there's a test I'd like to perform. Don't worry, you'll get something out of it. I'm going to give you some of my blood. If my theory is correct, it should act as a medium that will give my power to you. Well, here goes. Prométhée, bien équilibré pour le combat mais fragile. Ses dons renforcent l'esquive et la parade. Vous avez obtenu un nouveau code sanguin. Did you go visit Murasame and Coco? They should be ready to do business now. C'est parti pour les I'll take care of all your weapons related needs. So relax and make yourself at I'm really sorry. Right now I should be. Mais il vient de me dire que c'était bon. Did you go visit Murasame and Coco? They should be ready to do business now. Weapons and blood veils are vital parts of a Revenant's kit when exploring. You should take another look at them. If you've got materials, upgrade and transform them. Once you've got that settled, talk to me again, and we'll continue where we left off. Okay, j'étais parti trop tôt, je pense. Oh, good timing! I've got... Acheter, y'a quoi? I've got new weapons available. I hope there's something you can use. Buying something? Ouais. Elle a une épée, il me faut 5000. Épée commune à simple tranchant, produite une série utilisée par les soldats de l'opération. Je perds beaucoup de dégâts, mais je dois pouvoir taper très très vite. Mais c'est bizarre parce que c'est pas les armes que j'ai déjà ça. Que le marteau je l'ai. Ah, c'est ce que j'ai actuellement. Je les ai déjà, non? What do you wanna upgrade? Ah oui, donc j'ai bien ça. Ça me rajoute même des dégâts. Pierre de reine, actuel 3. Et nuée 600. J'ai pas assez de nuée, les gars. On va pas pouvoir faire grand chose pour l'instant. Okay. Fallait que je parle à lui aussi. C'est Davis, lui, non? There you are. I'm just as old as you. All Revenant's character don't do. Ok. You remember that scene we witnessed at the Vestige? That kind of stuff happens every day here. Silva has taken most of the humans who survived under his protection, so Revenants are left to rely on blood beads alone to slake their unending thirst. But, well, nothing in this world lasts forever. The springs started to dry up, and so blood beads grew rarer and rarer. And the order Silva created by levying and distributing blood beads won't last much longer either. The world needs more blood beads. Only then can we strive for fairness instead of petty favoritism. That's why we've been exploring the Jail of the Mists. We're doing research to learn all we can about blood beads. But the miasma has been a real problem. It makes our thirst even worse, so our progress has stalled. Now, though, we have a glimmer of hope. Your power can clear the miasma. If you could help us... Well, you'd be drawn into a bitter conflict. Still, the truth is, we don't have a lot of hope without you. Will you join us?
Thanks. So, it's a done deal? Well then, from now on, you're one of us. Yakumo Shinanome. I'll be looking forward to seeing you in action. Let's get right into it. Here's what's going on. We're studying blood beads and their springs. We want to know how and when blood springs appear, their cycles for producing beads, and the composition of the beads themselves. We've made a few discoveries. First of all, we found that there are tubes like capillaries running through the earth. We call them blood veins. And so far as we can determine, every single blood spring is located on top of one of these blood veins. Also, after comparing blood beads and blood veins, we now know that they are mostly comprised of the same substances. In other words, we can safely assume that blood springs always form along blood veins. We think that means there must be a source somewhere, a kind of headwaters for the blood beads. Now that we have you around to clear the miasma, we can investigate the springs and follow the blood veins. And hopefully, find the source. Right? We want to check out the old city ruins first. Sorry for the rush, but we should head out as soon as you're ready. Le problème, c'est que j'ai pas ce qu'il faut, donc on va y aller. Ah, on peut se déplacer de pouce en pouce, d'accord. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de farmer un petit peu vite fait là et du coup de se faire une meilleure arme. Je vais aller à l'entrée. On va essayer de farmer un peu les gars. Si possible. Donc B, esquive. Ok. What's that over there? Ok, j'en ai 500. Je trouve ça kiffant d'avoir un allié quand même. Je sais pas, je suis peut-être que c'était à la hache. Oh là là. Le pire c'est que je savais qu'il y en avait un, mais je m'attendais pas à ce qu'il explose les caisses. Allez, le termine. Super. Donc j'en ai 1200. Ah ouais, si je tombe, c'est foutu là. Attendez, mais je peux pas avancer là? Ah si, il y a une porte. Ok. Attends, quoi ramasser? Ramasser quoi? Nouilles geisha, ok. Fragment de déchéance.
Non mais son épée elle est beaucoup trop forte. Il me faut la même les gars. Moi il faut que je sois à l'épée en fait, hein. Pas à la hache. Ok super, il y a une plante. Est-ce que je reviens ou je continue? En vrai non, 1400 ça va, c'est bon. This could come down at any second. Let's hurry. Téléportation à la base. Maintenant que j'ai un peu de thunes, je vais pouvoir me faire une bonne arme. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'épée, les gars. Alors, je ferai un peu moins de dégâts. Mais, attendez quoi? Combattant, ouais. Donc, je vais passer à l'épée régicide. Et puis, on va l'améliorer. Parce que je suis beaucoup plus épais, moi. Améliorer une arme. Voilà. Donc elle gagne 19, c'est pas mal. Poids, ça change pas. Mobilité normale. Si je regarde la hache, elle était normale aussi. Mais ça prend moins de poids. Écrasement 65 au lieu de 80. Réduction d'endurance. Donc je perds moins d'endurance quand je tape, évidemment. Et là, on perd 100 points de dégâts par coup. Mais je l'améliore. Je peux l'améliorer deux fois. Ok, super. Maintenant, j'ai plus assez. Il me faudrait 840. Actuel 0, fer de l'arène 4. Ouais, je peux pas plus. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Améliorer voile de sang, c'est quoi? Mais... Ah oui, griffe régicide. Ok. Ok. Bon, on est bien. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je sais pas où il faut que j'aille, les gars. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il est où Louis, il est avec moi, c'est ça? Ouais. Là-bas. Ouais, je peux personnaliser, ok. Aller aux sources chaudes, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Source chaude. Aux sources chaudes, vous pouvez voir les souvenirs du passé et consulter des explications sur certains termes rencontrés. Vous pouvez également récupérer la moitié des nuées perdues lors de votre exploration sans prendre le risque d'aller les chercher. Cependant, si vous récupérez ces nuées dans une source chaude, l'autre moitié non collectée sera perdue à tout jamais. Bah oui. Je m'en fous. Oh, j'ai 900 du coup. Ah oui, mais il y a beaucoup de filles qui viennent là. C'est quoi cette scène, les gars? Elle veut me parler? Non, même pas. Revenir sur les souvenirs du passé. Ah, on peut quitter la source. Attendez. Je veux juste voir le menu pour voir un peu ce que ça... Ah, d'accord. D'accord, donc c'est l'histoire, ok. C'est un topo sur tout ce qu'on a fait de l'histoire. Intéressant, bon, peut-être pas forcément utile excessivement, mais ça a sa petite utilité quand même. Is something up? On peut arrêter le paradis. On peut carrément choisir sa propre voie, quoi. Le problème, c'est que je sais pas où est-ce que je vais, moi. Ça m'aide toujours pas à savoir où est-ce que je vais aller. Si je vais au carrefour, direct. Carrefour, c'est là où il y a eu le premier boss. Est-ce qu'on va pouvoir avancer un peu plus loin? Ah, ouais, apparemment. Oh, you're exploring this area too? I'm a merchant of sorts. I wander around selling valuables as I explore. The
My asthma has gotten pretty thin here lately, eh? I thought it might be dangerous, but I came all the same. I haven't seen a fellow explorer for a while, though. I think we were fated to meet. Take this map of the depths. I'll be around here for a while. If you want to buy anything, let me know. Okay. Entre des ténèbres, changer des reliquats. Okay. Pour l'instant, je sais pas trop ce que c'est. Ah ouais, trois coups, ça m'a retiré que la moitié. Rapporter des cartes des profondeurs à Davis à votre base pour vous permet d'explorer différentes parties des profondeurs. Les ennemis y sont terrifiants et l'exploration difficile, mais on peut facilement y acquérir des nuées et des matériaux. D'accord. Donc c'est le mode difficile du jeu et on peut y accéder quand on veut. This way should lead to the old city. Si tu le dis. Moi ce que je veux c'est une fleur pour pouvoir me téléporter. Comme ça au moins je suis safe. Map of the depths. Davis would be very interested. Corinne, j'en ai déjà deux là. Ah, par contre, je suis dans un brouillard de guerre, les gars. Je ne vois absolument pas où je vais. Hein. J'ai pas du tout la carte des lieux. Je peux monter, donc je vais voir. Non, il y a rien. Ok, donc on va monter. On n'a pas le choix, hein. Là c'est vraiment une ligne droite, les gars. It's this way. Are you ready? Ah, parfait. Something. Expectations exceeded. That settles it. You are absolutely vital to our operation. There are more blood springs ahead, but the miasma is blocking the way forward. Do you think you could clear it for us again? Thank you. We know where two springs are, thanks to past expeditions. Let's go have a look at them. The territory up ahead is teeming with the lost. Watch yourself. S'y attendait un peu, hein, qu'il y ait des déchus. Ah, on commence à voir la carte. Fragment de... Ah, là c'est un moyen. Dons combinés. Les dons combinés ne peuvent être utilisés qu'en coopération avec un partenaire, bien que très puissant. Les dons combinés consomment une grande quantité d'icor lorsqu'ils sont activés. Le coût et les effets d'un don combiné varient selon le partenaire. Ok. On cherche un peu le loot, hein. Je commence le jeu, donc forcément, tous les objets sont importants. Faire de l'arène, ça c'est extrêmement important pour améliorer l'arme. Always seem lonesome to me. Pierre de la reine, oh là là, il y en a plein, c'est cool. Wait, that's vestige de Prométhée. A a saigné, les gars. Dag, ok. What? Mais il vient d'où? Comment il m'a eu? Je m'attendais pas à ça. Hein. Je ferais plus attention. Hein.
Corps 1 et c'est bon les gars, je peux améliorer encore une fois mon arme. Ah, faut regarder partout. Ok. Franchement, pour l'instant, c'est pas très compliqué, hein. Nice. Ok, let's move. J'ai perdu quand même pas mal de life là. Il m'a bien aidé, hein. Il m'a trop bien aidé. Il a pris le focus d'un autre en se battant. Ok, super. Ah, il a pris le focus d'un autre et ça m'aide beaucoup. Ok. Commence à l'avoir dans la peau le gameplay. Faut que je fasse attention et que je fasse des esquives plus souvent. Vestige du chasseur C, c'est un 3 apparemment. Terminé. Ok. The vehicles are like barricades. Aïe. Au secours. Mais lui a 5 PV. Oh non. Ah, il lui restait un PV, les gars. Il m'a explosé sur ça, quoi. Il y en a encore un. Keep an eye out around blind spots. C'est un gros celui-là. Hein. No more healing. Just don't push yourself too hard. That running away might be wise. Mince, non. Rallie-moi. Ok, super. Faites qu'il y ait une fleur, faites qu'il y ait une fleur, les gars. Sinon, faut que je fasse zéro erreur. Ah, super. Hey, what is it? You okay? Pas de boss maintenant. Yo, Louis. You smell that? Yeah. Human blood. An escapee? Now where did she run off to? Huh? Hey chumps! What the hell are you doing here? None of your business. Oh really? Then tell me this. Why would scum like you have the sweet stink of a human on ya? The girl belongs to us. Put your paws on our property and your ash. That clear? Fresh blood is some powerful stuff. You hanging in there? So, what's the plan now? We know it's just a matter of time until they find that missing human. You know the plan. Hell yeah. Let's hope she hasn't been devoured by horrors yet.
Ok, alors, j'ai vu qu'il y avait une fleur, c'est parfait. Rends-moi ma vie, rends-moi tout. Je pourrais peut-être même monter de niveau en vrai. Ok, super. On va essayer d'aller par là vite fait. Ah, bon, bah on sait qu'on va y retourner et qu'il y aura un raccourci ici. Et il y a un gros monstre au-dessus. Donc, c'est parti. Un gouvernement a construit une ladder. Je suis heureux qu'il soit ici pour nous. Ah oui, toi tu descends comme ça, d'accord. Pas si j'avais su, hein. Ah mince. Did you pick up something we can use? Je sais pas si je peux les revendre, les fragrances de déchéance là. Les fragments. Ça pourrait être intéressant. Hein. Ils sont pas tous. Ah ouais, je le savais. C'est sûr, les petits saligots là qui me tendent des pièges. Cher. Eh mais il fait de la capoeira lui. Wouah les gars, j'ai pris tellement cher. Si je remonte là et que je vais me soigner, il y a moyen qu'il réapparaisse. Je sais pas. Ça sera à tenter en vrai. We should probably start by attacking the tail. That's... Je serais chaud pour aller là. Il y a 4 unités, on voit sur la carte. L'épreuve de sang attire les déchus. Il y a de fortes chances pour que vous vous retrouviez submergés. Mais ceux qui parviennent à survivre à cet assaut, à tous les vaincre, obtiendront des récompenses spéciales. Il me dit ça parce que là, je rentre dans un truc vénère, là. Les déchus ont lancé l'invasion à la recherche de sang. Bardiche plus 1. Chasseur. Super. Oh, stylé. On a d'autres? Il y a combien de vagues comme ça là? Ah super. J'ai gagné quoi du coup? Ça risque d'être chaud quand même là. Mais attends, mais il n'y a plus personne là. Du coup, on a tué tous les déchus de la zone. You choose the way.
Bah oui, je sais bien. Something we can use. J'hésite, hein, j'ai pas le chemin, j'ai rien du tout, donc je sais pas où est-ce que je vais, ça m'énerve. Je pense que je vais un peu tourner en rond. Ah, déjà il y a un gros monstre là. Careful, this doesn't look easy. Ultra mal, mais ils font ultra mal. Sauve-moi un peu. Ouais, c'est dur. Je peux mourir à n'importe quel moment, quoi. Là, on peut aller ici. Je suis pas sûr que ce soit le bon endroit, hein. Attends un petit peu, on avance, là lui. Voilà, on y va tranquille, hein, les gars. Ok, donc là je reviens où j'en étais. Ok, donc là j'ai fait le tour de la zone, les gars. Donc soit je vais à droite ici. Épée du crépuscule, trop bien. Une nouvelle arme. Je vais aller par là. Il y a là. Il y en a d'autres ou pas? Ok. Là les gars, c'est qui tout double, hein? Là si je meurs... Ah ouais, mais on peut aller par là. Mais on peut aller à des... En fait, si je veux explorer, il me faudrait une fleur ou au moins que... Je vais aller de l'autre côté, les gars, parce que là ça me... être à côté du vide, ça me donne pas envie. On peut pas courir plus vite. Et j'ai plus de life, j'ai plus rien. Il m'arrête. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là, eux? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Alors, lui, il est mort, ouais. Il y en a un debout, là. On va le récupérer. Voilà. On va aller à gauche, du coup. On va aller par là. That's one big hole. That's quite valuable. Let's use it well. Ouais. Mais je vois que là-bas, il y a peut-être un raccourci, les gars, à activer. Après, je sais où aller, mais il me faudrait vraiment une fleur là. Hein. Wanna head down? Don't rush. Place your feet carefully. Ah, ça y est, c'est cartographié.
pourrais descendre en tombant, mais ça risque d'être beaucoup trop risqué. J'ai pas eu de fleurs. C'est terrible. Je vais devoir aller là où je voulais pas. Allez. Il faut pas mourir, les gars. Faut pas mourir. Et maintenant, j'ai peur. À chaque coin de rue, j'ai peur là. Tout à l'heure, je suis tombé sur 4 mecs d'un coup. Alors par contre, j'ai un pouvoir, faut vraiment que je le lise parce que je crois que je me tue pour donner de la vie à mon allié, je crois. Là, le B, là. B, ça permet de donner de la vie à mon allié. Le problème, c'est que déjà, j'ai 350 HP et que je me mets à 1 HP si je le claque. Donc c'est vraiment chaud. Donc là, on va aller ici, parce que c'est le seul endroit où je suis pas encore allé. Ouais, il est chaud, lui. Ici, je suis pas allé, si. C'est là où il y avait le coffre. Non. Punaise. D'habitude, il y a une fleur juste à côté. Là, je suis en train de faire toute la zone. Je vais finir par mourir, c'est sûr. Don't lose your footing. Faudrait que j'aille là, là. Avec la vie que j'ai, faut que j'aille jusqu'ici. C'est une blague. J'y arriverai jamais. Viens par là, vas-y. On l'attire. On n'a pas attiré que lui, mais... On part là, toi. Allez! Ok, le bouclier est tombé. C'est déjà ça. Reste-moi, reste-moi. Ouah, je peux pas l'approcher. Ok. Bah j'ai fait toute la zone. J'espère que les monstres réapparaissent pas, les gars, parce que sinon là je suis vraiment dans la mouise. On va faire le tour. Espérons qu'il y ait une fleur là. C'est terrible. Comment ça se fait qu'on ait autant de zones à faire sans... C'est dur. Eux, ils sont tous morts. Ils sont pas tous morts. Ok. Ok, super, je m'en fous. En réserve, ça me va aussi. Tu viens ou pas? Non! Reste-moi! Waouh, il me reste tout le temps, c'est trop bien. T'es parfumé. The parking garage. That was a pretty long loop. Ah oui, on peut monter ici. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? J'ai cru que c'était mon allié pendant une seconde. We can climb up from here.
Ouais, on peut grimper, ouais. Je suis d'accord. Mais il y a un gros monstre, non? Je peux ouvrir ici. Et le raccourci vers la... Vers la plante. Alléluia, les gars. Bon, et bah le jeu, maintenant, je sais que ça va être vraiment... Il faut économiser sa vie un milliard de fois. Je vais pas monter de niveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup la pause sur la VOD maintenant. J'espère en tout cas que ça vous a plu, cette petite session. Sur ce, eh bien, j'espère vraiment vraiment que ça vous plaît, que je fasse Code Vein. C'est un jeu qui est assez compliqué. Je suis pas trop de genre à me lancer des défis, et ce jeu, ça a l'air d'être ça quand même un petit peu, hein. Même si ça va, en vrai, c'est quand même plus facile qu'un Dark Souls, j'ai l'impression. Sachant que j'ai déjà fini un Dark Souls, donc c'est pas non plus... j'en suis capable, hein. Je sais que j'en suis capable. Donc c'est plutôt sympa. On va plutôt s'axer sur l'histoire plutôt que les combats, même si c'est une grosse partie du jeu. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite sur ce une excellente journée, et je vous dis à la prochaine. Salut. On va se laisser sur cette petite cinématique. Je vous mets... Je l'ai même pas vu moi-même. C'est pour dire. Bon, au niveau du copyright, je suis pas sûr que j'ai le droit, mais on va faire comme si. Ça, le chara-design, les gars, il est ultra stylé, quoi.
Et voilà les amis, donc je vais sur ce vous laisser ici. Je vous dis à la prochaine et salut.